Salam alaikum Azulfilaoun, bonjour. Nous revoilà comme annoncé pour la deuxième partie de l'émission sur Msali Hajj. Dans la première partie, nous avons tenté, sans grand succès, il faut le reconnaître, de la consacrer à sa vie intime, à l'enfant qu'il fut, puis au jeune homme, au mari, au papa. Mais ce ne fut pas facile. Nos invités, y compris sa propre fille, qui est avec nous aujourd'hui aussi, ne pouvaient pas tenir quelques instants sans se retrouver, à l'insu de leur propre gré, à évoquer le parcours de l'homme politique. C'est dire toute l'envergure nationaliste du grand politicien, du grand patriote, du leader visionnaire qu'il fut. La cause de son pays a dévoré sa vie, littéralement, et celle de sa famille. Le temps qui ne passait pas en prison, il le consacrait à porter très haut la voix de son peuple, d'une voix qui portait très loin et très fort. Il était de la trempe des grands révolutionnaires du monde, et sans l'étouffoir, sans l'éteignoir colonialiste, puis des embusqués algériens qui ont volé par la suite l'indépendance du pays, Msali Hajj figurerait aujourd'hui au fronton des plus grands leaders de l'histoire des révolutions, et je n'exagère rien. Aujourd'hui, en guise d'introduction, pour mieux faire connaître cet immense personnage à son peuple, pour contribuer à lui rendre justice, je lirai un passage du discours révolutionnaire qu'il prononça le 10 février 1927 au Congrès impérialiste de Bruxelles, devant une nombreuse assistance et en présence de grands révolutionnaires de l'époque comme Nehru, Mohamed Atta, Lamine Senghor, Paléopold, Lamine Senghor, Victor, Raoul Haya, des délégations de Chine, d'Indochine, de Russie, ainsi que de nombreux représentants de mouvements de résistance et de mouvements syndicaux, comme le Comité de défense de la race nègre des syndicats d'ouvriers noirs d'Afrique du Sud, des mouvements révolutionnaires d'Amérique du Sud et de représentants du Maghreb. Et je rappelle, c'est très important que cela se passait en 1927. Le jeune Messali fut désigné pour parler au nom de l'étoile nord-africaine. Il prononça donc un discours historique où le mot « indépendance » fut évoqué pour la première fois depuis que le premier occupant français avait foulé la terre algérienne. Ce fut un discours d'une force inimaginable pour le contexte d'alors, jugé excessif, y compris parmi les plus progressistes de l'époque. J'aurais aimé vous le lire en entier. Ce n'est malheureusement pas possible pour des impératifs de temps. Mais je vous encourage à le lire, il est consultable sur Internet. Mais je ne me priverai pas, comme je vous l'ai annoncé d'emblée, du plaisir et de l'honneur de vous énumérer les principaux points du programme révolutionnaire que Msali Hajj annonça ce jour-là. Je le cite. Les mesures, et il parle, hein, il parle. Les mesures immédiates. Abolition immédiate du code de l'indigénat et de toutes les mesures d'exception. 2. Amnistie pour tous ceux qui sont emprisonnés, en surveillance spéciale ou exilés pour infraction au code de l'indigénat ou pour délit politique. 3. Liberté de voyage absolue pour la France et à l'étranger. 4. Liberté de presse, d'association, de réunion, droits politiques et syndicaux. 5. Remplacement des délégations financières élues au suffrage restreint par un Parlement national algérien élu au suffrage universel. 6. Suppression des communes mixtes et des territoires militaires. Remplacement de ces organismes par des assemblées municipales élues au suffrage universel. 7. Accession de tous les Algériens à toutes les fonctions publiques sans aucune distinction, à fonction égale, traitement égal pour tous. 8. Instruction obligatoire en langue arabe, accession à l'enseignement à tous les degrés, création de nouvelles écoles arabes. Tous les actes officiels doivent être rédigés dans les deux langues. 9. En ce qui concerne le service militaire,
respect intégral du verset de la sourate coranique qui dit « Celui qui tue délibérément un musulman est voué à l'enfer durant l'éternité et mérite la colère et la damnation divine. » 10. Application des lois sociales et ouvrières. Droit au secours de chômage aux familles algériennes en Algérie et aux allocations familiales. 11. Élargissement du crédit agricole aux petits fellahs. Secours non remboursable du gouvernement aux victimes de famines épisodiques. La deuxième partie. Les revendications politiques. 1. L'indépendance totale de l'Algérie. 2. Le retrait total des troupes d'occupation. 3. Constitution d'une armée nationale, d'un gouvernement national révolutionnaire, d'une assemblée constituante élue au suffrage universel, le suffrage universel à tous les degrés et l'éligibilité dans toutes les assemblées pour tous les habitants de l'Algérie. La langue arabe considérée comme langue officielle. 4. La remise en totalité à l'État algérien des banques, des mines, des chemins de fer, des ports et des services publics accaparés par les conquérants. 5. La confiscation des grandes propriétés accaparées par les féodaux alliés des conquérants, les colons et les sociétés financières. La restitution aux paysans des terres confisquées. Le respect de la moyenne et petite propriété. Le retour à l'État algérien des terres et des forêts accaparées par l'État français. 6. L'instruction gratuite obligatoire à tous les degrés en langue arabe. 7. La reconnaissance par l'État algérien du droit syndical, du droit d'association et du droit de grève, l'élaboration des lois sociales. Et enfin, 8. Aides immédiates aux fellahs pour la bonne affectation à l'agriculture de crédit sans intérêt pour l'achat de machines, de semences, d'engrais, organisation de l'irrigation et amélioration des voies de communication. Ce texte date de 1927. J'ai le plaisir d'accueillir Madame Ben Khalfat, fille de Massalil Hajj, et Sadq Sallam, historien spécialisé dans l'histoire de la décolonisation et de la guerre de libération nationale. Madame Ben Khalfat, Madame Massali, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci de m'inviter. Merci. Alors, revenons à 1917. Massalil Hajj a été appelé à faire son service militaire à Bordeaux. C'était un jeune homme, curieux de tout, autant pétri de valeurs traditionnelles, d'enseignement de la Zawiya d'Arkawiya, que de l'école française. Alors, Madame Ben Khalfat, vous, la fille de Massalil Hajj, parlez-nous un peu de ce jeune homme, ce jeune appelé, à Bordeaux. Quelle a été sa vie entre son service militaire en 1917 et 1926 ou 1927, quand l'étoile nord-africaine fut créée et où il adhéra? Écoutez, il était un jeune homme très vif, hein, qui avait envie de comprendre vite et de tout comprendre. Donc, il s'est un petit peu éparpillé, puis il s'est regroupé en se disant, avant de me perfectionner dans l'écriture et la pensée en français, je dois améliorer mon arabe, parce que j'ai un arabe de Zawiya, j'ai un arabe d'école coranique, et j'ai besoin de rentrer dans un arabe plus moderne que ça, enfin, etc. Donc il va s'inscrire à l'université de Bordeaux pour perfectionner son arabe. Et puis ensuite, il va tout avaler. D'abord, il va se mettre à lire la presse, toute la presse. Il s'inscrit dans les bibliothèques, donc il a la presse gratuitement, parce que avec sa solde on fait pas grand chose.
Et puis, je dois dire que il se fait très rapidement des amis. Il est tombé, il a eu la chance de tomber sur un de ses supérieurs qui était turcophile. D'accord. Et qui l'a initié un peu, qui lui a mis entre les mains un très joli roman qui s'appelle Asiadé. Et ce très beau roman a marqué pour lui. Il a tellement marqué, il nous en parlait tellement, que nous avons appelé une de nos petites filles Asiadé. C'est pas un roman de Pierre Loti. C'était le premier roman qu'il arrivait à, qu'il a lu entièrement pour la première fois, etc. Et il s'est aperçu qu'il avait tout à apprendre. Et il s'est cultivé, il est allé au théâtre, il est sorti, il avait un contact aisé et il a été invité dans les familles de ces jeunes Bordelais qui vivaient à la caserne avec lui, quoi. Et à quel moment il fera la connaissance avec celle qui est Émilie Buscan, qui allait devenir... Ah ben oui, ben ça, on en avait déjà parlé la dernière fois petit peu, enfin on avait abordé un petit peu le sujet. Il se trouve que Madame Coitoux, qui avait un peu remplacé sa maman sur le plan de l'éducation, etc., avait quitté l'Algérie, elle était veuve, elle s'était repliée sur la France, et elle habitait Paris, et évidemment, ils sont en correspondance et régulièrement, et elle lui demande de monter à Paris à la première permission, ce qu'il fit, et il arrive donc à Paris, et il se trouve que Madame Coitoux habite rue du Repos, et que là habite Émilie Buscan. Quelle année, madame? Et la voisine de cette Madame Coitoux est son amie. Alors, le soir, elles se voient toutes les deux, elles boivent une petite tisane ensemble, elles se racontent leur journée. Et là, elle prévient Émilie en lui disant, tu sais, le fils que je n'ai pas eu, eh bien, il arrive en permission. Et c'est là qu'ils vont faire connaissance. Et c'est un grand choc, un choc réciproque, et un choc qui va aboutir à une aventure assez folle pour l'époque. Oui. Et une utopie et une grande histoire d'amour mêlée, et ce sera une grande aventure aussi. Et alors, ce sera donc le coup de foudre, et Émilie Buscan qui... ne savait pas à ce moment-là qu'elle allait être celle qui allait coudre le premier drapeau algérien, on en parlera tout à l'heure. Mais sinon, en 1927, il adhère à l'étoile nord-africaine qui avait été créée, je crois, par Hajj Ali Abdelkader, il me semble. Absolument, absolument. C'est-à-dire qu'il faut savoir que Hajj Ali Abdelkader est un haut responsable du Parti communiste. Voilà. Exactement. Oui, et il fait partie du Comintern, c'est pas rien. Exact. Il a fait son éducation politique à Moscou dans ces années-là. Et il est très très heureux d'avoir fait, comme je l'ai raconté la dernière fois, connaissance de Messali et de sa femme, puisque à l'époque, il cherchait une voie pour s'engager, et donc il fréquentait beaucoup les meetings. C'est lors d'un meeting que Messali va parler à Hajj Ali Abdelkader, et c'est là que, évidemment, ils vont se mettre à échanger, à se connaître, et puis à s'aimer beaucoup, parce qu'ils vont devenir deux couples très 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 liés. Hajj Ali Abdelkader et mes parents sont devenus de grands amis par la suite. Mais le sort de Hajj Ali Abdelkader a été terrible, parce que, vous savez, au Parti communiste, surtout dans ces années-là, on badine pas. Hein. Oui. Et il est évident que l'arrivée de Messali va jouer les troubles faites. Hein, il va jouer les troubles faites. Et là, on va le mettre à l'épreuve et on va lui dire tu vas aller à Bruxelles et tu vas faire, etc., etc. Et il est allé à Bruxelles. Et il a rédigé ce magnifique discours. Il l'a rédigé avec Émilie. Et avec Émilie, ils
vivants tous les deux, parce que ma mère a été à l'école jusqu'au brevet, au brevet supérieur, donc c'était pas quelqu'un non plus d'habitué au phrasé politique, etc. Là, ils vont vraiment faire de gros efforts tous les deux pour conceptualiser les idées politiques qu'ils veulent mettre, pour faire quelque chose de vraiment impeccable. Et le voilà parti dans un petit cartable en tissu confectionné par Émilie et cartonné de l'intérieur pour qu'il tienne droit. Et le voilà parti dans le train et il recopie au propre son discours. Mais il va s'apercevoir au moment où il va passer à la tribune, son tour de passer à la tribune, il va s'apercevoir qu'il n'a plus son discours. Il a été subtilisé, ce discours. Ouais. Mais il a une grande chance. C'est que dans ses poches, il a gardé les brouillons. Voilà. Parce qu'il avait fini son travail dans le train. Oui. Et avec son brouillon, il va se débrouiller. C'est le cas de le dire. Le brouillon, et avec le brouillon, il va se débrouiller. Oui. Et là, ma foi, il a assez déjà d'assurance. Parce qu'il faut, à une tribune pareille, avec un tel auditoire, il faut quand même tenir sur ses jambes, si j'ose dire. Ouais. Et il a été parfait, et il a été applaudi. Évidemment, ce succès va à la tête, à la direction du Parti communiste, va faire jaser. Ouais. Il va faire jaser et va le faire réagir aussi bien contre Hadj Ali Abdelkader que contre Messali. Ouais. C'est-à-dire qu'on va s'en méfier. Et ce qu'ils craignaient, ma foi, ils avaient raison de craindre, arriva. C'est que finalement, c'est Messali qui va s'accaparer de l'étoile nord-africaine, oui, et la sortie du giron stalinien, et le Hadj Ali Abdelkader va payer les pots cassés de tout ça. Restez avec nous, Madame Benkhalvat. Il n'est plus du Parti communiste. Restez avec nous. Nous allons continuer avec Hadj Sadr, que j'accueille avec plaisir. Merci, Sadr Sylem, de nous avoir rejoint. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, justement, on a à ce moment de l'histoire, Hadj Ali Abdelkader, qui faut-il le rappeler, était un communiste convaincu, laïque, très attaché aux valeurs laïques, et à côté un jeune qui débarque, plein d'enthousiasme, qui n'est pas très communiste, qui croit mais pas trop, et qui surtout n'est pas laïque, Salih Hadj, et c'est donc un petit accrochage. Et Hadj Ali Abdelkader se retire. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet épisode-là, en fait? Ben, auparavant, il faut rappeler la formation des idées personnelles et politiques de Messalil Hadj, qui a été marquée, comme tous les jeunes de sa génération, d'abord par la Première Guerre mondiale, qui a permis aux Algériens de passer de la résistance passive un peu et silencieuse à l'expression des revendications clairement exprimées. Et ça a été facilité par les échos de ce que réclamait le groupe de Berlin pendant la guerre mondiale, parmi lesquels il y avait le Bash Hamba et les gens qui étaient avec Messalis. Témoigne qui citait Bash Hamba jusqu'en 54. Bash Hamba qui était un leader tunisien. Bash Hamba à Berlin parlait au nom du même peuple, les Algériens et les Tunisiens, il disait que c'était le même peuple. Oui. Et il a avec l'aide de l'émir Ali, le cadet des enfants de l'émir Abdelkader, et l'action psychologique allemande de ses idées était diffusée, y compris en Algérie. Oui. Quelqu'un d'aussi attentif à l'actualité que Salih Hadj, on le décrit déjà à Tlemcen, à la Zawiya Tarqawa, il faisait des revues de presse pour ses amis. Oui. Et l'autre événement qui a dû aussi avoir des échos dans l'ouest algérien, c'est la révolte de l'émir Abdelmalek dans le Rif à partir de 1915. Oui.
La première révolte dans le Rif a été dirigée par un des fils de l'émir Abdelkader, qui était chef de la police de Moulay Hafid, et qui a déclenché une révolte contre la France dans le Rif. Et on est à peu près certain que ça a eu des échos chez les gens attachés un peu aux souvenirs, et ça a contribué à les encourager, à décomplexer beaucoup d'entre eux. Et puis, la révolte de l'émir Abdelkrim à partir de 1921. Donc quelqu'un qui était de Tlemcen de l'Ouest, avant de se tourner vers la Turquie, de s'intéresser à Mustafa Kemal et au sultan Wahid-ed-Din, il était marqué par le contexte régional qui favorisait le passage définitif de l'Algérie et du Maghreb, de l'ère de la résistance passive, au militantisme. Alors une fois en France, je pense qu'il s'était installé à la rue du Repos en 23, là, si je me souviens bien. Il a lui-même raconte dans ses mémoires comment il s'est retrouvé à une des réunions de la fraternité musulmane, qui était présidée par Abdelhak Christian Cherfis, qui était un confiste, un disciple de Comte converti à l'islam. Et lui, il dit qu'il est, bon, il a gardé là, un contact avec eux, mais il était un peu déçu par le côté un peu trop mondain et intellectuel de ce club. Mais il a fait la connaissance d'un certain Mahmoud Saleh, qui était le fondateur de la fraternité musulmane en 1907. Et on retrouve la citation de Mahmoud Saleh dans les rapports de police en 1934, quand M. Salih Hadj faisait des meetings à la mutualité où il citait le verset, là, déjà cité en 1927, celui qui tue volontairement un musulman ira en enfer. Il répétait ces versets avec les numéros, avec précision, pour dire que les Algériens ne doivent pas aller combattre dans l'armée française d'autres musulmans en Syrie ou ailleurs. Et le commissaire de police allait prendre un café avec lui après le meeting. Il lui disait « Qu'est-ce que tu connais, toi, à l'islam ?» Et M. Salih Hadj lui dit « Nous sommes en contact permanent avec l'émir Cheikh Ibrahim et avec Mahmoud Saleh. » Mahmoud Saleh n'était pas de la fraternité musulmane, qui croyait à une certaine amitié franco-musulmane. Il s'est radicalisé après les déceptions de la guerre mondiale. Il a rejoint le maire Cheikh Ibrahim, avec lequel M. Salih Hadj était en rapport épistolaire. Moi, j'ai quelques lettres là écrites de la rue de la guerre, avec comme épitaphe « Hayya ala al-falah » écrit en arabe. Ouais, ben. Et donc, vous avez tout ce contexte-là qui a contribué à la formation des idées politiques de M. Salih Hadj. Le fait d'aller au Parti communiste dans les années 20 n'était pas un problème pour un bon musulman comme lui, oui. Puisque le Parti communiste menait des actions très très dures contre la guerre du Rif, qui mobilisait tous les militants de l'époque. Alors maintenant, Abdelkader Hajjali l'a précédé au Parti communiste, c'est un fait. Est-ce qu'il a été vraiment un communiste convaincu? D'après Ali al-Hammami, non. Ali al-Hammami qui était là, en 1924, il est venu du Rif pour rejoindre l'émir Khaled. Et il a connu Hajjali à ce moment-là. Il a fait partie des premiers groupes envoyés par Khaled à Moscou pour bénéficier des bourses octroyées par Lénine. Et il disait, Khaled nous recommandait d'aller apprendre la discipline, l'organisation, les langues, etc. à Moscou, sans jamais adhérer au communisme. Je rappelle pour précision que Ali al-Hammami est un Algérien de Kabylie, Non, il était de Tiaret. Et on me dit qu'il est de Ain al-Hammam. Ah bon, d'accord. Et qu'il a fait la guerre aux côtés d'Abdelkrim, la guerre du Rif, qu'il a milité très activement, qu'il est mort dans un accident d'avion de son retour au Pakistan, qui a écrit un magnifique roman, le roman maghrébin par excellence, Idriss. Je vous laisse poursuivre. Il était très proche d'Ali al-Hammami de Hadj Ali, parce que Hadj Ali était d'Orelizan et lui de Tiaret. D'accord, ok. C'est une famille qui a émigré quand il avait 10-11 ans, qui s'est installé en Égypte pour lui éviter le service militaire en Algérie. Très bien. Et c'est,
Et lui, et Hajjani lui-même, dans une lettre qu'il a écrite 6 mois avant sa mort dans la République algérienne, en 1949, oui. Il dit nous étions inspirés par le programme de Khaled, parce que Khaled a été expulsé en 24, en juillet 24, au bout de sa deuxième conférence, qui a dérangé même le cartel des gauches, là, qui venait de gagner les élections législatives, a trouvé qu'il s'était radicalisé. Et il l'a empêché de faire cette conférence, il l'a empêché de retourner en Algérie, et ils l'ont éloigné définitivement en Orient. Sadr Sedlem, une petite anecdote, mais qui vaut son pesant d'or. Lorsque Salih Hajj a effectué son petit pèlerinage, la Omra, il aurait eu de fameux ennuis avec les trotskistes qui lui ont... c'est comme s'il les a surpris, ils ne s'attendaient pas à trouver quelqu'un pieux, pratiquant. Vous connaissez le. Vous pourriez nous en parler ? C'est en 52. Oui. C'est Lambert lui-même qui était venu lui demander des explications. Tu es croyant, tu nous l'as caché, etc. Mais Saline n'avait pas pour habitude de répondre aux questions qu'on lui posait pas. Il croyait à la solidarité internationaliste avec les trotskistes, qui croyaient pouvoir régler des comptes avec les staliniens qu'il avait quittés, mais ils ne déballaient pas ses convictions. Ils parlaient d'organisation, comme ils le faisaient très bien pour avoir lu bien Lénine. Mais à ce moment-là, Messali a été le premier à rentrer dans la mondialisation. Il était dans la mondialisation, il a eu sa culture qui le distinguait des Algériens restés tout le temps en Algérie, pour avoir subi des influences qui venaient des trois émirs de l'islam contemporain, c'est l'émir Abdelkrim, l'émir Cheikh Bachelin et l'émir Khaled. Oui. Et l'émir Khaled n'est pas resté très longtemps, l'émir Khaled devait son prestige à celui de son grand-père. Bien sûr, oui. L'émir Abdelkrim. Messali, c'est un enfant du peuple. Et oui. Qui est devenu un grand zaïm, pas parce qu'il s'est fait lui-même, il n'avait pas d'héritage symbolique ni même matériel. Il est rentré dans la mondialisation assez tôt, puisqu'il s'intéressait à ce qui se passait dans le reste du monde musulman. Tout ce qui était dans le sens de l'anticolonialisme l'intéressait. Il s'intéressait à la bravoure de l'armée turque. On disait que c'était l'homme malade. L'Empire ottoman, mais le vieil homme malade. Et le nationalisme turc a montré une vivacité et une force qui l'a amené à mettre à la porte de la Turquie trois grandes armées, les Britanniques, les Français et les Grecs. Oui. Vous avez un grand article qui s'appelle La turcophilie en Algérie pendant la Première Guerre mondiale. Oui. La moindre des victoires contre les puissances colonialistes était suivie dans le détail. Susciter l'enthousiasme et je pense que Messali n'échappait pas à cette règle. Oui. Mais après 45, il est rentré de plein pied dans la mondialisation et l'internationalisation de la cause algérienne. Et c'est ce qui l'a amené à faire ce pèlerinage. Et là, on en parlera plus tard, c'est quand il a rencontré Abdelrahman Azem en 46. Exact, exact. Restez avec nous, Sadr Sedlem. Madame Ben Khalfat, en 1928, l'étoile nord-africaine prend ses distances avec le Parti communiste. Et elle est dissoute juste après, en 1929. Que se passe-t-il à ce moment? Comment réagit Salih Hajj? Est-ce qu'il reste les bras croisés? Donc après, vous dites une fois que l'étoile nord-africaine est sortie du giron du Parti communiste, vous me dites que... Elle a été dissoute. Si vous voulez préciser votre question, en 29... Oui. Alors, en 39, elle est dissoute. Et juste après... Oui. Vous parlez de l'étoile. De l'étoile nord-africaine, oui. Moi, ce que je sais, ce que Messali a écrit, ce que j'ai lu, c'est d'abord le programme de l'étoile nord-africaine. Vous l'avez dit tout à l'heure dans votre intervention du début, votre présentation, donc c'est l'indépendance de l'Afrique du Nord, l'Assemblée constituante élue au suffrage universel. Son action, c'est sortir l'immigration de son statut d'indigène et la défendre, cette immigration.
s'appuyer sur des alliances avec les syndicats et la gauche non stalinienne. Puis il va adhérer au Front populaire en s'associant à la lutte contre le fascisme. Donc c'est ça le programme et les actions qui vont suivre. Maintenant, et il faut créer, pour faire tout cela, bien sûr, il faut créer un parti structuré, avec des statuts, un fonctionnement démocratique. Et ça, c'est la première fois. C'est la première fois que cette émigration s'organise et crée un parti politique, si vous voulez. C'est très révolutionnaire pour l'époque. Et c'est tellement moderne en même temps. Donc, maintenant, à ce moment-là, pour créer un parti avec tous les attributs d'un parti, c'est-à-dire les statuts, etc., un journal aux mains, un drapeau, et créer aussi des réseaux en Algérie. Alors, les réseaux algériens s'appelleront pas l'Étoile nord-africaine, pas tout de suite, s'appelleront les Amis de l'Oma à Alger, surtout, à Alger, surtout, puis à Tlemcen également. Donc, si on peut dire, pour synthétiser, ce qu'a dit cet Darsalam était très intéressant, parce que tout ça, c'est ce qu'il nous a expliqué, sont des influences qui ont construit Messali, évidemment, et d'autres, il n'était pas tout seul. Maintenant, ce qu'on peut dire synthétiquement, c'est que ce sont les premiers fondements du mouvement national indépendant. Donc, c'est le sens de l'organisation, c'est le sérieux, c'est... c'est ce qui va permettre la suite et l'épanouissement. Oui. Oui, oui, nous vous écoutons, madame. Poursuivez. Oui, donc, à ce moment-là, il va y avoir une expansion, parce que ce parti devient assez important, et il commence à être respecté, puisqu'il a tous les attributs d'un parti... tout à fait bien construit, et l'occasion de la première implantation en Algérie, c'est le 2 août 36. Donc, et le meeting du Congrès musulman qui se tient au stade municipal de Bellecour. Et là, ils reçoivent un télégramme à la rue Daguerre, et les gens de la direction se réunissent en disant, ils reçoivent un télégramme pour dire « Envoyez-nous quelqu'un ». Nous ne sommes pas assez au courant des affaires ici pour pouvoir tenir tête à ces gens-là du Congrès musulman. Donc finalement, le choix de tous se porte sur Messali, et ça se fait d'une façon absolument extraordinaire, parce que, évidemment, les moyens de communication 1906 sont ce qu'ils sont. Madame Messali est à son travail, elle rentre à la rue Durtot, laisse un mot en disant « Prépare nos valises, on part ce soir pour Alger ». On est absolument obligé d'assister à un meeting, et par tout pot, prépare Ali, etc., et on part. Donc c'est comme ça qu'ils vont, et encore, Messali avait un meeting avant l'heure du dernier train sur Marseille, imaginez. Donc il va partir, Émilie et mon frère partent à la gare de Lyon, il les rejoindra à la gare de Lyon au pied levé, et il s'embarquera sur ce train où il expliquera en détail ce qui arrive à Émilie. Ce qu'Émilie ne savait pas, c'est que finalement, elle ne reviendrait pas. C'est un départ définitif de la France, puisque elle va mourir à Alger, évidemment. Ouais. Donc, ce meeting, il est, si j'ose dire, l'implantation première des idées de l'Espagne nord-africaine. Maintenant, Messali va retourner quand même en France, parce que le Front populaire, évidemment, va finir par dissoudre l'Étoile nord-africaine sous la pression du Parti communiste, bien évidemment. Oui. Moi, j'ai eu une querelle de vieillards entre Daniel Guérin et Charles-André Julien, qui avait vraiment incroyable, où Daniel Guérin reprochait à Charles-André en lui disant, oui, vous vous êtes laissé faire que Charles-André Julien était socialiste, et en lui disant, oui, c'est le Parti communiste, vous avez l'Étoile nord-africaine, enfin, c'était une vraie querelle politique, et Dieu sait. Oui, mais Messali ne se l'est pas teint pour dit, puisqu'il créa juste après la glorieuse Étoile nord-africaine. La glorieuse Étoile
Victoire Afrique, exactement. La glorieuse étoile nord-africaine, mais... il a rajouté un G. Très, très vite, ils vont créer le PPA. Voilà. On s'est rendu compte... Messali a fait une tournée de 36 à 37, a fait une tournée dans toute l'Algérie, a estimé les potentialités, si vous voulez, et l'attraction... populaire aux idées de l'indépendance et vraiment il est retourné à Paris, ils ont déposé les statuts du PPA à Nanterre et aussitôt après il est retourné à Alger, il avait laissé ma mère toute seule à Tlemcen, donc en presse. D'accord, restons pour le moment à ce stade, mais avant d'en arriver au PPA, la création du PPA. La dernière fois, madame, nous avions parlé de la création du drapeau algérien, le drapeau que nous allons voir maintenant. Et vous nous aviez donné votre avis. Aujourd'hui, nous allons demander l'avis de Sadr Selem sur ce qui notre drapeau aujourd'hui, comment il a germé dans la tête de militants qui étaient autour de Messali El Hadj et de Messali El Hadj lui-même, et comment... Madame Messali El Hadj, Émilie Biscan, l'a cousu et le voilà, ce drapeau, dont très peu d'Algériens savent qu'il a été confectionné par votre maman, Émilie Biscan. Sadr Selem, on dit que cela s'est passé dans un appartement où les militants de l'étoile nord-africaine discutaient. Comment concevoir le nouveau drapeau algérien. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Avant d'en arriver là, il faut mentionner le récit fait par Malek Benabi, qui était à l'Association des étudiants musulmans nord-africains en France, qui avait été créé en 1927 par Chedli Khairallah, soit un an après l'étoile nord-africaine. Et Messali a eu l'idée de faire l'injonction avec ces intellectuels, qui, dont certains avaient un grand mépris pour les ouvriers. Et Benabi, dans ses mémoires, parle très longuement et avec beaucoup de... il a été marqué par... il a dit « J'étais très ému que Messali vienne nous solliciter au quartier latin pour la relance de la glorieuse étoile nord-africaine. » C'était la fameuse... réunion de mai 1933. Alors Benabi dit, avec son état-major, Messali me parut très sympathique. J'étais surtout ému à la pensée que ce soit ses ouvriers qui soient venus à nous, alors que j'aurais pensé que c'était surtout le devoir des intellectuels d'aller à leurs frères, les travailleurs, pour les éduquer et les instruire. Et au bout de plusieurs rencontres, ils ont préparé le fameux meeting de mai 1933 qui a eu lieu à la rue Cadet, au siège du Grand Orient de France, où Malek Benabi a rédigé une petite pièce de théâtre, parce que Messali utilisait le théâtre comme instrument d'éducation politique. Et donc c'est une pièce de théâtre anticolonialiste écrite par Malek Benabi. Et il décrit comment, alors il dit la salle était comble, ma femme fut introduite dans une coulisse où Madame Messali, dont je remarquais avec satisfaction les traits honnêtes et bons, avec un léger voile de tristesse. Ensuite vient le tour de la politique avec une série d'orateurs. Sylvilani, dans un arabe digne d'un bon talent, image avec son air de Taureau et Messali, je ne sais pas d'ailleurs si c'était dans cet ordre, mais Messali parla longuement, j'admirais son verbe et j'y reconnaissais une inspiration plus élevée que celle que j'avais pu remarquer jusque-là dans les termes des discours de nos intellectuels. Il fut tour à tour pathétique et persuasif, et quand il parlait de la misère du peuple algérien et de la grandeur de son passé, il ne plut. Et quand tu lui dis « il y a des hommes supérieurs, mais il n'y a pas de peuple supérieur », il me conquit tout à fait. Et ça, c'est un passage que tous les historiens qui connaissent le détail de la vie de Messali et de l'étoile nord-africaine ont oublié, peut-être par ignorance ou par censure,
Un bel hommage, un bel hommage. Le fait que Fanny fasse appel à des intellectuels est important, compte tenu de ce que sera la relation tendue entre intellectuels et politiques par la suite dans la vie algérienne. Et ils sont restés de très bons amis, ils se rencontraient régulièrement au Hogar. Le Hogar se situe vers le Luxembourg, c'était un salon de thé tenu par Delroule. Alors évidemment, quand Messali a rompu définitivement avec les communistes, et cela s'est fait à la faveur de sa rencontre prolongée en Suisse avec l'émir Chakib Arslan, qui a organisé le congrès des musulmans d'Europe en 1935. Et Messali, qui avait été condamné avec beaucoup d'autres, et la nouvelle étoile nord-africaine avait été encore interdite, il s'est réfugié pendant longtemps en Suisse. Et sa rencontre avec l'émir Chakib Arslan, qui avait été sympathisant bolchevique en 1917, il a été à Moscou pour voir les possibilités d'une alliance avec Lénine, mais il a été très vite déçu. Et cette rencontre a persuadé Messali Hadj de l'inutilité d'une alliance avec les communistes, surtout que Chakib Arslan avait été renseigné dans le détail par Haider Bamat des massacres collectifs commis par l'armée rouge dans les territoires habités par les musulmans, le Kazakhstan, le Daghestan, etc. Et c'est à partir de là, il y a un rapport de la préfecture de police qui dit que Messali Hadj a désormais donné en partie les allures d'un mouvement nationaliste musulman. C'est un rapport de la préfecture de police de Paris. Et donc l'idée de confectionner le drapeau, puisqu'il avait la franchise de réclamer une nation et un État algérien, il fallait penser au drapeau. Donc la première idée, c'est de se référer au drapeau qui avait été celui de l'amiral Kader. Et qui était comment il était de quelle couleur? Le vert et le blanc. Le vert et le blanc, oui. Or, Messali a ajouté l'étoile à cinq branches et le croissant. L'étoile à cinq branches, est-ce qu'elle veut dire les cinq fondements, les cinq piliers de l'islam? Est-ce que ça veut dire les cinq pays du Maghreb? Quelle connotation d'après vous? Il y a eu plusieurs interprétations. L'idée que ce soit l'islam, il était imprégné. Il ne faut pas oublier que Messali écrivait, publiait un communiqué, il envoyait des lettres aux militants à chaque fête religieuse, l'Ashura, le Mi'raj. Il connaissait le calendrier égyrien. Il savait qu'il y avait même des travailleurs immigrés qui jeûnaient pour le Sha'ban, etc. Donc, il n'est pas exclu que ce soit le reflet de sa culture islamique, qu'il ne cachait pas d'ailleurs à l'époque. Et lui, il a dit à Gnanesh l'a écrit parce qu'il a été enfermé avec lui dans un camp, et il lui a dit je n'ai jamais été réellement communiste, même s'il a été un an et demi ou deux ans avec le parti communiste. Et ça confirme le récit d'Alil Hammami, où Khaled leur disait il faut apprendre l'organisation avec les communistes, et Messali disait aux militants il faut apprendre à conjuguer le verbe organiser à tous les temps, mais il n'a pas partagé les convictions communistes. Mais certains disent que cela pourrait être l'étoile rouge communiste, parce que c'est le symbole du communisme même, l'étoile rouge à cinq branches. Au moment où il a fait ça, je crois que la rupture a été consommée avec le Parti communiste. D'accord. C'était vraiment son idée principale, c'est la nation et la restauration de l'État algérien. Nous sommes arrivés. Peut-être que Zénina en sait beaucoup plus que moi sur ce point. Oui, on va y revenir. C'est très important puisque la majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité de nos compatriotes ne savent pas l'histoire de ce drapeau. Nous allons y revenir après un court intermède. À tout de suite.
Salam alaikum, Mujaddid. Bonjour. Nous sommes sur El Maradibia et nous reprenons notre discussion avec Madame Ben Khalfat Messali et Sadq Sillam. Madame Ben Khalfat, j'aimerais qu'on revienne sur cette histoire de drapeau parce que c'est tellement important et on a tellement occulté cette histoire pourtant passionnante que nous n'en dirons jamais assez. Qu'est-ce que vous en avez entendu dire vous-même par vos parents? Ah, on nous dit que nous l'avons perdu. Donc, Sadq Sillam est avec nous? Oui. Je posais la question à Madame Ben Khalfat Messali. Malheureusement, nous l'avons perdu pour un petit moment. Nous allons la rappeler. Je lui disais que l'histoire de ce drapeau nous passionne tellement, d'autant plus que ça nous a été complètement caché, occulté, comme si ce régime ne voulait pas qu'on sache qui l'a créé, qui l'a cousu, qui en a eu l'idée, ce qu'il représente dans l'esprit des gens, ce que veut dire l'étoile, ce que veut dire le croissant, les couleurs. Vous venez de nous apprendre, par exemple, que le drapeau de l'émir Abdelkader était vert et blanc, ce qui a été... pour l'étoile, vous dites que vous ne pensez pas que ce soit une étoile communiste, mais plutôt peut-être avec cinq branches, les cinq piliers de l'islam. Au sujet du croissant, selon vous, qu'est-ce que cela représenterait, le croissant? Oui, tu n'as pas donné une explication. Est-ce que Madame Ben Khalfat est avec nous maintenant? Madame Ben Khalfat? Madame Ben Khalfat Messali? Oui, je vous entends. Très bien. Alors, pendant que nous vous avions perdu, je vous avais posé une question, que l'histoire de ce drapeau passionne les Algériens. Oui, elle continue de les passionner. Oui, je vois que l'histoire de ce drapeau passionne. Mais avant de revenir sur le drapeau, oui, je voudrais répondre à Monsieur Sadq Sillam, que je connais du reste, que j'ai rencontré plusieurs fois. Je voudrais lui dire que Messaleh Haz était un musulman convaincu, avec une éducation et une culture musulmane, ce qui n'est pas ordinaire dans ces années-là, hein, c'était assez courant, surtout quand on est de Tlemcen et qu'on est issu d'une famille qui adhère à la Zawiya, etc., etc. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on peut tout à fait être un bon musulman et partager les idées et les idées communistes. Alors évidemment, il y a différents communismes, hein, on s'entend bien. Lui, il a combattu essentiellement le stalinisme. Et c'était un musulman internationaliste. Et ça, j'y tiens. Il y a tenu, il a eu dans ses alliances, depuis l'étoile nord-africaine, des alliances avec les partis trotskistes, qui ont été les seuls à, dès ces années-là, soutenir l'étoile nord-africaine, puis le PPA, puis le MTLD, puis le MNA, et je continuerai même après, à soutenir cette idée de l'indépendance, de la constituante souveraine, de l'assemblée constituante souveraine élue au suffrage universel, de sortir les peuples colonisés du servage, etc., etc. Il y a eu chez le parti communiste français un repli républicain colonialiste certain. Du reste, ils ont même dû quitter le congrès musulman et, parce que ça pouvait plus continuer, quoi. Donc Messali n'était pas anticommuniste. Non, mais Madame Ben Khalfat, est-ce que sous votre contrôle, nous pouvons dire, parce qu'il n'y a aucun mal, je suis d'accord avec vous, que les gens assument leurs convictions, leurs ancrages. Est-ce que nous pouvons dire, sous votre contrôle, que Messaleh Haj était un bon musulman, d'accord, mais que c'était un communiste? Civilisationnel, important, qui s'est créé, etc. Donc, comme le disait Sadq Sillam, l'émir Cheikh Ibn Arslan est allé lui aussi à Moscou pour voir ce qui se passait. Mais enfin, à la fin de tout cela, il est allé aussi à Berlin voir ce qui se passait ensuite.
Madame Sali. La lutte contre le stalinisme, d'une part, de Métali, et contre le fascisme, d'autre part. Madame Donc, Sali, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que il semble qu'il y ait un souci? La haine des autres. Madame Sali, est-ce que vous m'entendez? Oui. Voilà. Je vous avais posé une question, vous ne m'entendiez pas. Est-ce que vous m'avez entendu, cher monsieur? Oui, je vous ai parfaitement entendu, mais j'ai l'impression que de votre côté, vous ne m'aviez pas entendu. Je vous ai posé une question importante. Si, sur le drapeau. Non, une autre après. Ah. Comme quoi, hein, nous. Je vous disais, je voulais vous demander. Oui. Je respecte votre souci de faire de telles précisions, mais est-ce que nous pouvons dire. Sous votre contrôle, comme je viens de le dire à l'instant, que Sali, tout bon musulman qu'il était, tout bon pratiquant qu'il était un communiste convaincu. Ah, mais je pense qu'est-ce que ça veut dire un communiste convaincu? Être internationaliste, c'est participer et partager les idées de progrès, de liberté, de justice, de sortir le peuple algérien du servage. Mais quoi de mieux que ça? Vous comprenez, il faut faire la différence entre le livre et les idées de progrès. Il faisait partie de l'avant-garde, Messali. Il a toujours fait partie de l'avant-garde politique. C'était un homme de gauche. Oui, tout à fait. Voilà. D'extrême gauche. Voilà, Oui, tout à fait. Ça passe mieux de dire c'est un homme de gauche que de dire... c'est un communiste, comme si le mot blessé quelque part... Mais c'est un mot qui a été galvaudé. Il a été galvaudé, il a été largement dénaturé. Absolument. Et mais on compris... peut dire que c'était un anti-stalinien. Ça, voilà. Au moins, c'est précis. Voilà, y compris par ses propres tenants, d'ailleurs. Oui, complètement. Voilà. Parce qu'il avait compris dès 27 que le stalinisme, ben, c'était un colonialisme. Oui. Alors, revenons maintenant à cette histoire de drapeau. C'est tellement important, comme je vous le disais à un instant. Oui. Qu'est-ce que vous avez entendu en dire par vos propres parents quand ils ont parlé? Oui. Écoutez, moi, mon père a écrit ses mémoires. Oui. Et mieux que ce qu'il a écrit lui, je crois qu'il n'y a pas. D'accord. Il a raconté comment ce drapeau a été présenté à une assemblée générale. À la rue Daguerre, à une assemblée générale de l'étoile nord-africaine. Et ça, je renvoie tout le monde aux mémoires, mais enfin, je peux citer si... Oui, on voudrait bien, oui, dites-le nous. Ah, vous voudriez bien que je cite ça? Oui, oui. Alors, écoutez, moi je l'ai repris in extenso dans mon livre. Une petite seconde, je vous prie. Je vous en prie. En même temps, vous pourriez nous dire le titre des mémoires de votre père, la maison d'édition, comme ça guidera les gens. Ah, mais elle ne m'entend pas puisqu'elle n'a pas le téléphone à l'oreille. Comme quoi. Oui. En attendant qu'elle trouve le PPA qui a été fondé après. En 1937, il est tout de suite dissous après, en 1939. Allô. Oui, madame. Oui, on vous écoute. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Non, du tout. Voilà. Du tout. Alors, je vais vous lire ce qu'il a écrit. Alors voilà. En 1933, l'étoile nord-africaine est autonome. Elle possède un programme politique, l'indépendance, la lutte contre l'impérialisme et le passage obligé par la constituante souveraine élue au suffrage universel pour garantir les libertés démocratiques. Elle est régie par des statuts précis, possède également un journal, invente le drapeau algérien, celui que tous les médias qualifieront de drapeau du FLN pendant la guerre de libération. Elle a un siège central officiel situé au 19 rue Daguerre dans le 14e arrondissement de Paris. Je reviens sur la conception du drapeau algérien, le seul héritage historique, ô combien symbolique, de l'Algérie actuelle, qui miraculeusement a été épargnée et a survécu aux multiples ruptures du mouvement national. Je tiens, avant de poursuivre mon récit,
ça c'est moi qui écris. Je tiens, mais là je vais le citer tout de suite. Oui. Je tiens, avant de poursuivre mon récit, à démentir solennellement ici les polémiques actuelles visant à déposséder l'étoile de l'initiative de sa création. Ces polémiques sont alimentées par des imposteurs qui pensent ainsi faire oublier leurs errements passés. Dans ses mémoires, mon père écrit au sujet du drapeau, deux points, ouvrez les guillemets. Le 5 août 1934, plus de 800 Algériens ont assisté à une assemblée générale de l'association. La réunion revêtait une grande solennité, car pour la première fois, on présentait le drapeau algérien vert et blanc frappé d'un croissant rouge. J'avais l'honneur de prononcer le discours d'ouverture devant ce drapeau hautement tenu et entouré d'une garde d'honneur. À la vue de ce spectacle grandiose, les Algériens se sont levés comme un seul homme, en priant et en applaudissant. Des cris de « Vive l'Algérie !»« Vive l'indépendance !»« Vive l'étoile nord-africaine !» ont fusé dans toute la salle. Jamais une telle cérémonie n'avait eu lieu depuis 1830, date à laquelle notre patrie nous avait été ravie. Trois points de suspension, fermez les guillemets. Si vous permettez, je termine mon petit chapitre et je termine en commentant. Je ne terminerai pas cette digression sans ajouter que Madame Messali, ma mère, travaillait à l'époque dans une entreprise de dessin industriel située rue Servan, dans le 11e arrondissement de Paris, et de fait, elle était la plus qualifiée pour concevoir et élaborer ce drapeau. Alors, une petite précision, une petite question. Quand vous citiez votre père, vous disiez « un drapeau vert et blanc frappé d'un croissant rouge ». Il ne dit pas oui. Ah ben, frappé… Il n'a pas parlé d'étoile, effectivement. Et pourquoi il n'a pas dit frappé d'un croissant? Moi, je vais vous dire ma conception et la sienne. Oui. Parce que l'étoile, eh bien, c'était l'étoile nord-africaine. Ça veut dire que ça allait de soi, vous voulez dire? Mais c'est tellement simple. D'accord. Que d'aller chercher, je ne sais quelle. Mais savez-vous, je suis convaincue que c'est ça. Eh ben, très bien. Nous prenons argent comptant. Sadr Sellem. Le PPA est fondé après la dissolution de l'étoile africaine en 1937. Mais pas longtemps, il est dissous en 1939. Mais cette fois-ci, on ne crée pas un nouveau parti, il entre en clandestinité. Mais il est très actif puisque le 1er mai 1945, il réussit à organiser une manifestation de 20 000 manifestants à Alger qui étaient très férocement réprimé d'ailleurs, puis après les événements qui ont suivi une semaine après les événements de Sétif, le 8 mai 45, les gens du PPA ont payé très cher. Ils ont été arrêtés massivement, mais Salah Hajj lui-même d'ailleurs a été arrêté, ne sera libéré qu'en 46. Je voulais en arriver à ceci. Le PPA, une fois qu'il a été dissous, il est resté en clandestinité. Mais même quand le MTLD a été créé, le PPA clandestin a continué d'agir en parallèle. Est-ce que vous confirmez? Oui, oui. Et puis après, le PPA a participé aux AML en 44 après le. Les Amis du Manifeste. Oui. Les Amis du Manifeste et de la Liberté. Et oui. Messali a convaincu Farah Tabès d'ajouter un additif à son manifeste de 43 où Messali insiste sur son idée vraiment centrale, l'idée de constituante. Il oui. avait une suite dans les idées, l'idée de constituante ne l'a jamais quittée. Et il faut rappeler aussi qu'il a dénoncé le carnage. C'est un groupe de militants qui avait cru vouloir faire alliance avec l'Allemagne selon le principe de l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Or, mais ça lui a refusé tout net. C'est ce qui lui a valu des séjours, je crois, à Lambèze, à Maison Carrée. Il a passé une bonne partie de sa vie en prison ou en résidence surveillée, ce brave Messali. Et là où on voit qu'il a de la suite, dans l'idée de constituante est vraiment omniprésente,
Et le fait de refuser l'alliance avec le fascisme, il a fait partie dans les années 30 des comités antifascistes, de manière très active. Ça veut dire qu'il prévoyait pour l'Algérie indépendante une réelle démocratie. Il a refusé le fascisme, parce que s'il y avait par malheur le succès du fascisme, on aurait eu un fascisme en Algérie, oui. Soutenu par les... Mais Sali, non, il avait déjà à l'idée une Algérie indépendante, mais qui soit une démocratie, comme par la suite il se méfiera d'une armée qui échapperait au pouvoir politique, parce qu'il se méfiait des pouvoirs militaires. D'où son animosité à l'endroit des Égyptiens. D'où son animosité à l'endroit des Égyptiens. Avec les officiers libres, les officiers libres, d'abord, il se méfiait, lui, de ces inconnus qui arrivent au pouvoir avec un uniforme. Oui. Mais il était pour la lutte armée, lui, depuis le début, après l'échec des revendications politiques pacifiques, et c'est ce qui l'a amené à accepter en février 1947 la création de l'OS, qui a été votée à l'unanimité en février 1947. L'OS, faut-il le rappeler, qui a été créé par le PPA. MTLD. Le MTLD, pardon. C'était le bras armé du MTLD. Oui. Voilà. Alors, on en arrive au MTLD. La fameuse crise berbère ou berbériste. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en peu de temps, parce que nous devons aller très vite maintenant. Alors, la crise berbériste, c'est une réaction d'un groupe de militants au mémorandum adressé par Messali Hadj pour plaider la cause algérienne auprès de la Ligue arabe et auprès de l'ONU qui se réunissait à Paris à l'époque. Il a rappelé le caractère arabo-islamique de la nation algérienne. Oui. Et donc il y a un groupe de militants qui ont protesté pour mettre l'accent sur l'héritage berbère que lui ne récusait pas. Mais le caractère arabo-islamique n'était pas niable non plus. Donc c'est une affaire de proportion et de... C'est une question d'appellation. Mais pour des raisons purement tactiques, oui. Si vous voulez, ce que Carlier ne sait pas. Il a écrit un gros bouquin très précis, mais il dit, nous ne savons pas si Azam a rencontré Messali, mais il l'a rencontré en 1946 quand il est venu de Londres, et ça a fait l'objet de la une de tous les journaux, parce qu'Abdarman Azam... Au début, il envoyait des communiqués à la presse, oui. Et qui ne les répercutait pas. Or, Messali a lu un entrefilet dans le Figaro qui dit le secrétaire général de la Ligue arabe à Paris, il contacte Tawfiq Chaoui, il lui dit « Est-ce que je peux rencontrer Abdarman Azam ?» Il lui débrouille un rendez-vous pour le lendemain, et Azam se plaint, il lui a dit « Ces journaux français, je ne croyais pas qu'ils étaient aussi... fermé que ça, il ne parle pas de moi. Mais Sali lui a dit essayez de publier un autre communiqué où vous parlez de l'Algérie, vous verrez comment on va parler de vous. Et le lendemain, il y avait toutes les unes de tous les journaux ingérence de la Ligue arabe dans les affaires intérieures françaises en Algérie. Mais Sali connaissait son monde. Oui. Et c'est à partir de là qu'il est resté très lié avec Azam. Et Azam lui a conseillé donc de plaider la cause nord-africaine de manière générale et algérienne en particulier auprès de la Ligue arabe et auprès des sessions de l'ONU. Et la crise berbériste qu'il a présenté, oui. Et il a insisté sur le caractère arabo-islamique. La crise berbériste est due à la réaction d'un groupe de militants qui se définissait comme berbère plutôt qu'arabe et islamique. Voilà, et ça veut dire que Aïd Ahmed a été entraîné là-dedans alors qu'il n'était pas avec le groupe qui a protesté. Oui. Mais quand on lui a dit de les dénoncer, il a refusé de les dénoncer, il a été exclu pour déviation berbéro-matérialiste. Oui, oui. Alors, venons-en à une autre question très importante aussi, dont tout le monde entend parler, mais que peu de gens connaissent. Cette histoire entre centralistes et messalistes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en substance? Alors, c'est à moi ou à Gilles? À vous, à cette celle-là. J'ai parlé de son retour du pèlerinage, parce que avant son départ au pèlerinage,
beaucoup de militants lui ont conseillé de s'établir définitivement en Orient pour plaider la cause algérienne là-bas, un peu à l'instar de Cheikh Bachir Ibrahimi qui venait de partir, presque le même mois, en avril 52. Mais après avoir été bien reçu à la Mecque par les princes Faisal et Saoud, où il a rapporté 24 millions, ce qui n'était pas rien du tout à l'époque, l'émir Faisal lui a dit, si vous êtes sûr de tenir 6 mois, nous vous donnons dès maintenant de l'argent et nous fournirons des armes. Donc son voyage était un succès, qui a été encore plus éclatant quand il s'est arrêté au Caire, mais il décide de rentrer directement à Paris. Et là, les militants qui sont venus d'Algérie pour la session de l'ONU, le malentendu a commencé, le désaccord même, a commencé en 52 au moment de la session de l'ONU au Palais Chaillot, au Trocadéro à Paris. Et c'est l'aggravation de ce dissentiment qui a débouché sur l'opposition ouverte et le conflit ouvert entre les centralistes d'un côté et Messali et ses partisans de l'autre au moment du congrès de 53. Mais lui, il est revenu en Algérie après le pèlerinage et le séjour à Paris, où il a décidé de faire une tournée. Oui. La tournée dans le Constantinois, ça a été vraiment l'apothéose, un grand succès à Kifta, à Constantine. Et le préfet de Constantine lui a interdit de continuer. Donc il rentre à Bouzaléa, il se repose, mais il y avait des délégations, des dizaines qui venaient le saluer. Alors il a dit, au lieu de laisser les gens venir de loin me voir, je vais continuer ma tournée vers l'ouest. Oui. Donc il a été à Miliana avec Moulay Merbah et Falouhi, qui était lui-même de Miliana, il était à l'Assemblée algérienne. Et il continue sa tournée jusqu'à l'Asnam, Orléansville, Chlef aujourd'hui, où il y a eu un drame. Le Djilali, c'était un de ses gardes-corps, qui a été abattu. Parce qu'il y avait assassiné. Un commissaire qui l'a bousculé. Oui. Et lui, il a réagi par un coup de poing. Et le commissaire lui a tiré à bout portant. Oui. Oui. Et là, Messali a été pratiquement enlevé par un hélicoptère qui l'a déposé à l'aérodrome de Boufarik. Et Moulay Merbah dit avoir mis un mois et demi pour le retrouver. Ils ont appris qu'il était assigné à résidence à Niort. Oui. Et depuis, bon, alors Mahada est venu le voir au nom du comité central, il lui rendait visite régulièrement. Don Boulaïd est venu le voir. Ben Bella lui a envoyé, a chargé Mahtaz d'aller le voir pour lui annoncer le déclenchement de la révolution. Oui. Mais Mahtaz a envoyé Safi Boudissa parce qu'il priait avec lui. Mahtaz n'était pas pratiquant. Oui. Mais Sali, il aimait bien la culture islamique de Boudissa. Safi lui-même, Boudissa m'a raconté, il m'a dit, mais Sali, quand il était en désaccord, il éclatait de rire. Il ne disait jamais son désaccord. Et il lui a dit, pour cette histoire, pour répondre à Ben Bella, il faut aller voir Abed. Abed, c'était Abdallah Filali. Et ils ont compris qu'il ne voulait pas. Ça, c'était les avances. Bon, beaucoup ont déduit qu'il était contre la lutte armée, c'est totalement faux. Lui, il a confirmé, quand il a reçu Tawfiq Chaouvi, peut-être un mois après, Ben Bella n'ayant pas eu de réponse par le biais de Mahtaz et Boudissa, il lui envoie Tawfiq Chaouvi, un Égyptien, et Tawfiq Chaouvi met dans ses mémoires. Il lui a dit, je suis pour la révolution, mais il ne faut pas qu'elle soit téléguidée du Caire. Oui. Et ça montre sa méfiance vis-à-vis des officiers. Et il était pour la lutte armée à condition que les politiques soient maîtres de l'armée. Lui, il avait le flair et l'intuition. Déjà, hein, une armée deviendrait puissante, monopoliserait le pouvoir, et c'est ce qui s'est passé. Et l'histoire lui a donné raison. Madame Msali Ben Khalfat. Dès la création du CRUIA, le Comité révolutionnaire d'unité et d'action, le 23 mars 1954, dès la création du CRUIA, vous m'entendez, madame? Oui, je vous entends. Alors, on a commencé, les membres du CRUIA ont commencé à envoyer des messages à Msali, et il n'a jamais
répondu. Il n'a jamais accepté de prendre... Il considérait un peu que c'était prendre un train en marche, ou est-ce qu'il était contre certains principes, ou pourquoi n'a-t-il pas adhéré dès le début à la démarche du CRUA? Non, écoutez, le CRUA, c'est un épiphénomène très particulier. On est dans une crise, et M. Sadam a dit des choses justes, tout à fait justes du reste, mais il est passé à côté de la crise politique. Il y a une crise politique qui va s'installer aussitôt après le premier congrès, en 47 du MTLD. Cette crise politique que les événements de mai 45 ont drainé jeunesse, paysans sans terre, tout ce que l'Algérie pouvait avoir comme patriote. Donc, et puis les petites élites. Les petites élites qui sont arrivées avec leurs petits bachots en poche et qui sont arrivées dans un parti révolutionnaire, bien articulé, etc. Et ils sont arrivés avec leurs idées pour faire comme le coucou, s'installer dans le nid. Et évidemment, tirer le parti à leurs idées. Donc, cette élite-là avait déjà un mépris important par rapport aux pionniers qui étaient là. Et la première des choses qu'ils ont faites, c'est de les mettre de côté et d'installer une bureaucratie. Et c'est comme ça que Mme Messali va être mise de côté avec tous les pionniers. On n'en parlera plus. Qu'ils vont installer place de Chartres et créer vraiment, je vais dire... une entreprise, quoi. C'est un conseil d'administration, c'est pas un... Bon. Ils vont gérer ça comme ça. Donc, ils vont se faire peur un petit peu en faisant un petit peu de politique, mais enfin, bon. Et puis, cette situation va interpeller l'administration coloniale, qui va pas être indifférente à l'arrivée de ces jeunes quadras dans l'ombre. Et M. Jacques Vallier, qui est député, d'Alger et qui va devenir maire d'Alger, je fais court parce qu'il y aurait des choses à dire sur ses déclarations quand il était député d'Alger, où il a déclaré, faites attention, à l'Assemblée algérienne, si on laisse le suffrage universel, on peut se retrouver à l'indépendance en 48 heures, quoi. Méfiez-vous. Donc, mais après, quand il est devenu maire, il a eu une politique de séduction vis-à-vis de nos conseillers municipaux et de nos adjoints au maire, puisque on avait remporté des élections brillamment et que nombreux étaient les responsables du MTLD qui étaient conseillers municipaux et adjoints au maire. Et cette politique va... Lequel maire est devenu algérien par la suite, hein. On a plus affaire avec le MTLD à un parti révolutionnaire, c'est terminé. Oui. Cette jeune oligarchie pleine d'ambition va faire ses affaires et si Messali avait été l'homme autoritaire qu'on dit, il les aurait jetés du parti. Je dis, j'ai pas dit éliminé, j'ai dit jeté. Bien. Mais la dérive droitière est probante. L'immobilisme, alors quand tu dis se passe déjà les frémissements de quelque chose ainsi qu'au Maroc, nous, nos responsables, que ce soit à la direction ou que ce soit au comité central, leur seule politique c'est de faire l'union avec les partis réformistes. Alors, l'union avec les partis réformistes, alors ça, c'est des conciliabules qui n'en finissent pas pour dire à une réaction des partis réformistes qui écrivent à Messali. C'est un ultimatum. Alors là, permettez-moi, je vais vous citer la teneur de cet ultimatum. Alors, cet ultimatum, donc c'est ça. Les alliances s'ouvrent à nouveau pour la réalisation d'un front électoral avec l'UDMA et les Oulamas. Après 3 mois de discussions stériles, Maître Boumengen, le docteur Francis pour l'UDMA et l'Arvitsi Cheikh Rezine pour les Oulamas adressent par écrit à Messali leurs propositions qui tiennent plus de l'ultimatum
que de suggestions susceptibles d'aboutir à un consensus électoral. Elles exigent. Alors qu'on m'écoute bien, je vais le dire lentement parce que c'est très important. Elles exigent la dissolution du PPA, la condamnation de toute action révolutionnaire et de tout terrorisme passé, présent et à venir, la renonciation à toute action auprès des Nations Unies et de la Ligue arabe. Je tourne la page. Nous n'avons plus le temps, madame. Nous n'avons plus que moins d'une minute. Rapport avec le néo-destour et l'Istiklal. Eh bien, figurez-vous que quand il va se réunir avec la direction du parti, eh bien, Mustafa Chouqi, Hacher Chali, Abdelrazak Chentouf et Saïd Amrani vont être d'accord avec cette proposition droitière des partis réformistes et ils claqueront la porte. Mais ils rejoindront le mouvement national après, en 1954, ils rejoindront le FLN. Voilà, c'est dommage que je n'ai pas eu plus de temps. Parce mais que j'espère que nous aurons... Quand on ne connaît pas les fondements de cette crise et les aboutissements de cette crise, on ne comprend pas ce qui s'est passé le 1er novembre et on ne comprend pas comment notre pays a versé dans ce que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui. Merci, Madame Ben Khalfat Messali. Je vous rassure, nous aurons d'autres occasions. Je crois que le temps est venu de ne plus permettre aux forgerons de l'histoire de la tordre à leur convenance. J'espère pouvoir inviter beaucoup de gens pour parler de tous les grands nationalistes de ce pays qui ont été occultés par les embusqués de l'histoire, par ceux qui ont pris, qui ont confisqué la révolution, qui ont confisqué l'indépendance de ce pays. J'espère que nous aurons l'occasion d'en parler et j'espère surtout que nous aurons l'occasion de permettre à des gens de se rencontrer et surtout de se réconcilier. Merci. Cette émission est maintenant terminée. Au plaisir de vous revoir. Salam alaikum. Salam.